Salut tout le monde, c'est Koinski, de retour en Écosse sur Crusader Kings 3 Legends of the Dead avec notre brave et adulte. On va commencer l'épisode par une chasse qui devrait me donner le prestige nécessaire pour réclamer donc le titre de duc. Et d'abord, on va regarder ma fille parce que je vais quand même essayer de trouver un conjoint pour avoir une alliance sympa. Et il y a le prince Malmure d'Écosse ici. C'est pas mal, hein, c'est le fils du roi. Il a un earldom, un comté. Et je pense qu'il est assez puissant vu qu'il a 1000 hommes déjà disponibles. C'est pas mal du tout. Et en plus, c'est le fils du roi. Ça peut vraiment être sympa comme, comme alliance. Donc je vais le faire. On va le proposer. Alors, il accepte. Évidemment, matrilinéaire, ce sera refusé. C'est logique. Alors, on va accepter ça. Hein, c'est bien. Hop, on envoie la proposition. En tout cas, on attend la réponse. Et puis, on s'en va à la chasse. Directement. Il n'y a pas de raison d'attendre. J'ai un petit peu d'or également pour d'éventuels investissements, mais ce sera surtout pour lancer la chasse en réalité. Cool. Alors maintenant, on est bon au niveau militaire, on va être bon. Hein. Donc, on est parti pour activité une chasse. On va essayer de gagner du prestige. Il faut choisir le gibier. Un péril plus élevé donne plus de prestige. Ça pourrait être pas mal de faire un truc de fauconnier, mais je sais pas si je vais y arriver parce que je suis pas chasseur. On n'a aucun trait encore pour le moment. Donc... Ah mais c'est que pour... Ok, c'est que pour celle-là en fait. Alors faisons une chasse normale et pas de la fauconnerie. Et allons dans le comté où on a le plus de chance. On a plus 3, plus 2. Vous voyez qu'ici avec les terrains de chasse on a plus 1. Et puis en plus c'est une forêt à Teviotdale, donc on a bien fait. J'ai pas vraiment fait exprès mais très bien. On a 8 personnes dans la suite. Des chevaliers, des courtisans. Voilà, pas mal de gens qui vont nous accompagner. Et on va pas prendre de maître caravanier, c'est pas utile. Pas d'option de voyage. Alors, quelle est l'intention? Bah, c'est gagner du prestige, donc. Non pas se détendre, mais sans doute abattre une bête. Séduire, nouer une amitié. Non, c'est plutôt abattre une bête. Je crois que c'est ça qui va nous donner le plus de prestige. Donc, c'est pas indiqué malheureusement. Allez, c'est parti. Boum. Attention à battre une bête. Option d'activité. Ça va coûter 20 pour le moment, mais on peut peut-être changer les choses. Comme je suis pas très bon au début, on n'a aucun trait de chasseur. On va se donner plus de chances de réussir. Je pense que ce serait pas mal. Et ici, l'avènement rapportera plus de prestige également si j'investis un peu plus. Tous les courtisans et invités participeront. Ce sera un grand groupe. Ah, ça coûte 100. Je vais pas pouvoir le faire. Alors faisons peut-être... Je pense que réussir, c'est pas obligatoire pour avoir le prestige. D'accord, mais essayons de gagner surtout un maximum de prestige, donc faisons ça. Je vais pas gérer les invités, il y en a 24. Oula, purée. C'est parti. Dresser le camp. Alors que nous attendons le reste des invités, mes serviteurs s'affairent déjà. Les gardes-chasse parcourent les bois en quête de gibier, tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse. Ah, c'est bien, ça s'adapte au bâtiment qu'on a construit. J'ai passé en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises. Ça ne devrait plus tarder maintenant. On n'a que 20% de chance de réussite, mais ce n'est que le début. Ça va éventuellement augmenter avec les événements aléatoires qu'on va obtenir et les choix qu'on va faire. Accélérons un tout petit peu. Notre roi est en train de gagner sa guerre ici, on dirait. Une belle prise en perspective. Alors que le soleil se lève, Finlay, c'est mon maréchal, je pense. Oui ? Rassemble l'équipage sur les terrains de chasse dans les forêts de Kelso. Les gardes-chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives. Un gros cervidé mâle est certainement dans la région et les conditions ne pourraient guère être meilleures pour le chasser. Finlay sourit en coin. On va bien s'amuser, seigneur, sire. Bon. Cool. Le péril est moyen, mais on peut tenter. Prestige médiocre, mais bon. On peut chercher un loup, mais rien ne dit qu'on va en trouver un. Me faire ne pas le faire et un lièvre, c'est trop banal. On va tenter le cerf. Un bon cerf. Mon courtisan Otto, accroupi, cueille des delphiniums et fredonne joyeusement. Il semble avoir perdu tout intérêt pour la chasse. Oh mon seigneur, que la nature est merveilleuse! Regardez ces plantes! La richesse de la terre ne connaît pas de limite! Nous n'apprécions pas assez ces simples trésors, mon seigneur. Oh, Gilchrist a chassé un blaireau. Après, c'est pour lui les avantages. Hein. C'est assez rigolo, ces machins-là.
Remontez sur votre cheval. Augmente légèrement l'expérience de chasseur, de moi donc, hein. Pas mal. La probabilité de réussite augmente, on a du prestige, très bien. Il perd un peu d'opinion, on s'en tape. C'est un simple courtisan. Sinon, non. On peut devenir plus érudit, quelle est cette fleur? Oh non, on va remonter sur le cheval. On va lui dire de remonter sur le cheval, pardon. Hop. On continue. On est toujours en train d'essayer d'influencer le pape pour qu'il puisse nous améliorer, nous aimer mieux et nous donner de l'or. Des braconniers ici dans la forêt du Hurl, dis-je. Alors que j'approche avec mes gardes, ils se collent les uns aux autres, essayant vainement de cacher le cerf mort derrière eux. « Ce n'est pas nous, ayez pitié, monseigneur » implore-t-il. Leurs lames et leurs arcs trahissent leurs paroles. Ils seront pendus. Braconnier puni. Ça va augmenter les chances de chasse, plus d'impôts, moins d'opinion populaire. Pas grave. L'animal est à moi, ils paieront des amendes pour leur vie. Défi en intendance, encore une fois, j'ai peu de chances de réussir. Quitter les terres. Ils seront pendus et leurs villages paieront. Ah oui, la loi est la loi. Les chasseurs m'ont indiqué une clairière isolée derrière la tanière de la bête, un endroit parfait pour former une rangée d'archers et attendre que le cerf soit amené là par des chiens de chasse. Ce serait une bonne occasion de pratiquer notre tir à l'arc sur une vraie cible mobile. Excellente idée. Ou alors non, je veux la culer. Ce qui diminuera les chances de réussite. Non, on va suivre l'idée. Les chances sont pas bonnes, hein, mais bon. Amante encourage la chevalerie. Cool, ok. Très bien, c'est arrivé malgré l'aptitude martiale faible de la conjointe. Ok. Edmar a chassé un campagnol. Oh, maréchal, bien joué! Bon, je dois avoir écumé la forêt deux fois déjà et toujours aucun signe du cerf. Tout le monde s'attend à ce que je revienne triomphant avec un trophée. Mais tel que les choses se présentent, je ne reviendrai qu'avec de la honte. Le marché le plus proche a certainement un cerf. Ah, j'aurais pas voulu le faire de toute façon. Ça aurait coûté 15. Vous obtenez simple honnêteté. Mon opinion des vassaux vont augmenter un petit peu, mais j'ai pas de vassal. Bon. Soit. C'est pas fini, hein. Le provost Laurence insulte Archibald. Nous guettons nerveusement le cerf depuis notre rangée d'archers dissimulés alors que les cris des chasseurs et les aboiements des chiens se font de plus en plus forts. Le mâle tacheté apparaît soudain dans la clairière devant nous. Agitant ses ramures, la bête bondit droit vers nous. Alors notez que pour augmenter les probabilités de réussite, j'aurais pu engager un maître chasseur. Bon, ça fait des frais, j'ai pas vraiment les finances. Mais je peux dire la bête est à moi et je vais gagner de l'expérience de chasseur pour une prochaine fois. Je n'ai qu'une chance, petite chance sur 5 de la battre, à peine. J'aurais pas dû mettre comme intention de la battre une bête en réalité. Je pourrais même blesser un participant, j'ai pas trop envie. La bête est à Otto. Défi en prouesse. Ouais, ou alors tenez-vous prêt, tirez tout le monde. On a plus de chances de réussir la chasse. Je vais peut-être... dire, j'ai même pas une chance sur 5, je vais pas faire ça, je vais pas tenter de tirer. Fouillons, je vais dire à tout le monde de tirer. Il y a plein d'invités, ça va le faire. Tirez, tous! Tout ce qui aurait pu mal tourner semble avoir mal tourné, mais il y a quand même une lueur d'espoir. Il n'y a rien de tel que le frisson que procure l'abattage d'une bête puissante. Stéphane Hérol dirige la découpe et les dépaisse maladroitement. Bon, on a quand même réussi. La carcasse avant de laisser les maîtres chasseurs prendre le relais. Nous posons la part du butin qui revient au chien sur la fourrure étalée avant de rentrer. Bon, je ne l'ai pas abattu moi-même. Mais est-ce qu'on a quand même gagné un peu de prestige supplémentaire? Ah non, j'en ai suffisamment. Alors on a quand même eu un petit peu au fur et à mesure de la chasse. J'obtiens le trait chasseur. Prouesse plus 1, perte de stress plus 5% que la chasse. Regardez, on a des évolutions de parcours du trait chasseur en tant que veneur ou en tant que fauconnier. Ils ont vraiment étoffé tout ça. Hein. On gagne de la légitimité. Ce qui peut être bien dans mon combat contre le duc et pour ma future place de duc. Ah oui, 375 en prestige, pas mal. Hein. Ok. Opinion populaire remontée, ce qui va contrebalancer eh ben, le malheureux, la malheureuse exécution de ces braconniers, mais il n'y avait qu'un pas braconné.
Ou alors ce trophée plaira à mon amante. J'ai pas spécialement besoin. Je vais les garder pour moi. Hein. On va avoir un artefact, donc hein, les ramures de serre. Très bien. Excellent. Voilà, on va clore la chasse avec toute une série de choses gagnées. Hein. C'est vraiment très très avantageux. Pas d'événements qui arrivent, non? Ok, on va venir dans les trophées, tout ça, l'inventaire. Qu'est-ce que ça me donne? Alors déjà, dans 60 ans, il faudra rénover, sinon ça va casser. Du prestige, diminuer du stress. Plus de 2% en contribution en impôt du vassal courtois uniquement, bon. Et on dit pas non, hein, je vais le mettre. Cool. Ok, super. Bon, première étape, c'est bon. Deuxième étape, on va récolter un tout petit peu d'argent. Parce que la guerre peut vite coûter cher, j'ai pas envie d'être en négatif. Donc, j'attends encore un tout petit peu. Après, on attaquera. Je vais attendre de voir si on peut influencer le pape ou pas. Si on peut l'influencer, on pourra lui demander de l'argent. Ne plus être normand. Ah ben voilà, Guillaume le Conquérant, il devient anglais, il prend la culture anglaise. C'était qu'une question de temps. C'est un événement historique, ça c'est plus ou moins semi-aléatoire, semi-fixé. Je sais pas, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous savez. Je pense pas que ça va m'impacter directement. Donc on s'en fiche. On n'a pas trouvé de secret, je ne crois pas que nous trouverons quelque chose. Ok, c'est fini pour les secrets de notre cour. Ok, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Peut-être chercher des secrets à la cour du roi. Pourrait être utile. Peut-être chercher des secrets chez le pape. Après, je suis assez pieux. Enfin, pieux, on sait pas. Chaste, en tout cas, est généreux et timide, mais pieux, c'est pas vraiment dit, en fait. Je pense qu'on va plutôt l'envoyer. Attendez, où est-ce qu'on en est? On est là. Je vais essayer peut-être de soutenir les complots, mais ça ne fonctionne pas pour les complots, je pense, personnels. Donc, je vais chercher des secrets chez le roi Malcolm. Ça pourrait être utile. Je pense. Un complot à la cour. Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Ah oui, donc ça c'est... Ok. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un planifie un assassinat contre mon chancelier Gilchrist. Il a 21 ans et il est doué, hein, le bougre. Je veux pas qu'il se fasse assassiner. Nous devons arrêter le coupable. Ok, alors comment ça marche encore? Je vais... On va rectifier du coup. Son action, elle va essayer de déjouer les complots. Interrompre les complots. Voilà, est-ce que ça aura un effet directement ici? Pas sûr. Il me reste un mois pour influencer le pape, ou peut-être si j'ai 20 ou 30 d'avance. Je pense pas que la guerre devrait durer trop longtemps. Et tant qu'on a l'occasion de le faire, peut-être il faudrait pas trop traîner. Je vais régler sa situation. Donc il a allié avec Earl Dolphin de Cumberland. Ici aussi de 346 troupes. C'est pas grand chose, après il faut voir la qualité, mais enfin grosso modo ça devrait aller. Lui, il a quoi? Des archers, des piétailles en armure et des mangonos comme moi, en réalité. Sauf que c'est 200, 100, 100. Moi, c'est peut-être que 100 archers, il faudrait que je vérifie. On peut vérifier ensemble. Non, c'est comme moi, il commence à 200. Taille 2, 100, 100. Enfin, taille 1. Et il a 6 chevaliers comme moi, je pense, des levées, mais beaucoup moins que moi. Franchement, il m'a pas l'air puissant. En plus, j'ai plein d'alliés. Allons-y. Déclarer la guerre, c'est toujours une guerre d'indépendance. Je veux pas. Hop. Revendiquer son titre. Duché de Lothian, bah évidemment. Il a rien d'autre. Coût 1150. Pourquoi je peux pas le faire? Vous ne contrôlez pas au moins 51%. Ah zut! Décompté, il fallait 51%. Ok. Alors c'est pas grave, mais ça veut dire que ce qui me manque, c'est des trucs qui sont déjà à lui. D'abord que je fasse une petite guerre pour réclamer des trucs. Alors, on va essayer
Si je prends Earldom de Dunbar. Est-ce que je peux revendiquer ça ou m'arranger pour l'avoir? Alors, il n'y a pas trop moyen pour l'instant. Il y aurait deux possibilités à mon avis. Soit je demande à mon évêque, qui est maintenant compétent, de demander de faire une revendication comtale. On en a pour combien de temps? 19 mois, c'est un peu long. Ou alors on commence déjà par l'indépendance. Et une fois que je serai indépendant, ça devrait m'ouvrir des choses pour venir le grignoter. Ce sera déjà mieux que rien. Donc, on va faire ça. Je deviendrai indépendant. C'est parti. Mais oui, on va faire ça. Comme ça, on verra ce que ça fait. Alors, on va lever tout ici. Tout le monde va venir, chevalier y compris. Est-ce que je vais appeler les autres à la guerre? Le prince d'Écosse, ce serait bien. Maintenant, ça coûte combien de demander à la guerre, d'appeler à la guerre? Ça va dépenser un peu de prestige. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Je vais appeler juste le prince. C'est pas de la gloire que j'ai dépensé, hein, c'est du prestige. Hein. Je pense, hein, donc ça devrait aller. Alors, on a 900 hommes. Pas énorme, mais j'ai 7 chevaliers, lui n'en a que 6. Franchement, on a ce qu'il faut, quoi. Bien sûr, je me joindrai à vous dans cette guerre. Nos ennemis apprendront à craindre les hommes d'Atoll. Excellent, prince. Je vais aller par là pour le moment. Il a déjà mobilisé des troupes, excellent. Superbe. Alors, qui est commandant? Stéphane Hérol. 18. C'est bien ça. C'est pas mal en tout cas, c'est pas mal. Commandant Prudent. Bien. Soldat mort ami, moins 25%. Bon. Ça m'aidera pas forcément à gagner des masses des batailles, mais on va pouvoir les surprendre là, a priori. Meilleur commandant d'armée, plus de traits de commandant, plus de soldats. Ah, on défend, il défend une traversée de fleuve, c'est pas idéal. Mais je vais le laisser alors passer par là. Le roi Malcolm partage le pouvoir avec le prince Malmure en raison d'un voyage à l'étranger. D'accord. On va aller prendre la capitale, on a des mangonos. Il est bien démuni, j'ai l'impression. Monsieur le duc. Oh, Henri a obtenu le trait consomption. Une petite maladie. C'est pas une épidémie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le siège d'Édimbourg. 11 mois maximum. Certainement grâce à la présence de Mangono, notamment. Homme d'un plus 0,3, c'est les Mangono, c'est les engins de siège. On va accélérer un peu les choses. Nouvel atout. Bah, méchanceté absolue, peut-être. Gain de redoutabilité par tyrannie 0,5. Comme on va commencer à torturer, etc., ça peut le faire. Fécondité, bon, ce serait bien d'avoir encore un garçon quand même, parce qu'on a eu qu'une fille pour le moment, donc on va continuer par là. Hein. Hop, méchanceté absolue. Plus que 10 mois, ça se bat à Cadiou. Les ennemis se sont fait déglinguer par mon allié. Du coup, moi, j'ai les mains libres pour prendre la capitale. C'est excellent. On va être bien tranquille. Il n'aura pas le temps de me prendre un de mes comtés avant qu'on prenne sa capitale, je pense. Malgré des fortifications au niveau 4. En plus, on va se faire aider par les autres, donc peut-être. Non, ils vont par là. On va les laisser faire. Pas besoin d'être 10 000 à assaillir la capitale. On est à moins 0,4. En revenu maintenant, à cause de la guerre. Ça va pas durer. Attendez, j'ai combien de ravitaillement, moi, ici? Première armée, ici.
Où est-ce qu'on voit ça? Armée. Non, je suis à 100 sur 100, mais on va commencer à en perdre. Moins 2 par mois, voilà. Donc ça va, on est encore bien ravitaillé. Pas de problème. Je vais accélérer un petit peu. Donc je rappelle, hein, mon but est de gagner pas mal de prestige pour arriver vers Illustre. Et là, on pourra lancer une légende. Sans doute l'héritage d'Arthur Pendragon, hein, je suppose. On va commencer par ça. On verra ce que ça va nous donner. La comtesse est enceinte. C'est bien, mais... ça fait quelques temps que je suis parti. Ce n'est pas super encourageant. Ok. Il n'aura pas le temps de terminer le siège. Alors c'est mieux qu'il termine pas le siège, parce qu'il pourrait dévaster évidemment le comté. Mais je pense qu'on va prendre la capitale, sans doute la guerre va s'achever, peut-être. Sinon on aura le temps d'aller quand même l'interrompre. Prisonnier capturé. Ah, des prisonniers. C'est pas bon d'être mon prisonnier, je vous le dis. Le duc, le fils du duc. Ouïouïouï. Oh là 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 là. Ok. On va venir le voir après. D'abord, je vais regarder. On a eu 26 le siège. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on est monté à 100%. 25% à cause des batailles. 62% à cause du score de guerre venant des propriétés de la capitale. Et 25% à cause des prisonniers. Donc si on enlève les prisonniers, je suis plus à 100%. Donc je vais devoir le garder et faire la... Soit je le garde et je fais la paix comme ça, soit on se fait encore une petite bagarre. Comme ça, je le négocie sa libération. Je prends du pognon, on est encore à 100%, on arrête la guerre à ce moment-là. Moi, ça me paraît pas mal. Voilà, là, je serai en position supplémentaire, positive. Hein. On défend. Alors, on défend pourquoi? Parce que c'est notre territoire, notre fort. On rentre dedans, et... mais eux ne défendent pas, parce que c'est encore chez nous pour le moment. Donc la petite bagarre, attendez, je vais les revoir. Bataille de Lanarkshire, on est déjà en train de les exterminer, ça a été trop vite. Bon, on regardera en détail les trucs quand on aura un truc un peu plus compliqué que ça. Là c'est juste trop simple. On a capturé Sweeney, chancelier du cousin du duc Gospatrick. Murray, chevalier. Excellent, beaucoup de prisonniers, ça va faire plaisir. Voilà, là, avec la bataille, je suis au max 75%, là 62%, donc je pourrais ne pas avoir les prisonniers, que ce serait pareil. Parce que moi, j'ai envie de m'amuser un peu avec les prisonniers, évidemment. C'est pas bien, vous allez me dire, mais ça peut rapporter. Voilà, je peux le torturer éventuellement. Rançonner, il n'acceptera pas. Ah bah c'est bien dommage. On pourrait découvrir un secret. Ah zut, j'ai généreux qui est pas du tout compatible. Bon, finalement, étant généreux, je vais pas pouvoir torturer tant que je le voulais. Ça m'ennuie. C'est vrai qu'on arrive à changer ce trait de personnalité, mais bon. C'est très embêtant. Mais après tout, un peu de stress n'a jamais tué personne. On a eu sombre connaissance intrigue, plus 1 en intrigue. Ben voilà. C'est pas inutile. Murray. Ah, pourquoi ils veulent pas se faire rançonner? Moins 10, pourquoi? Parce que c'est un membre de la cour sans importance, d'accord. Ok, je regarde s'il est bon à quelque chose pour éventuellement le recruter. Je vais perdre en redoutabilité. Est-ce qu'il est vraiment utile? Pas tant que ça, mais on peut pas faire de mal non plus, je pense. La torture. Ah, le doux baiser du fouet. Il a l'air assez inoffensif, mais il peut séparer la chair des os aussi bien qu'un couteau. Une vérité dont Sweeney va bientôt faire l'expérience. Il dormira sur son ventre pendant une bonne période. Okay.
On continue. Alors, elle, c'est de la maison de Dunbar. C'est sa maison à lui. Ah, c'est sa fille. Bon, là, on va rançonner. Clairement, on rançonne. Il y a son fils. Il faut attendre que la première soit finie. Je vais retourner là pour surveiller ça. Ok. Lui, il accepte, il va nous rejoindre. Je pense qu'on a... C'est bon, on a rançonné déjà. Rançonné. Ça va remplir un petit peu les coffres. Rançon accepté, accepté, très bien. C'est qui lui? Oh purée, on a capturé toute sa famille. C'est trop beau. C'est trop beau. Je peux faire pour un hameçon. Bon, c'est pas terrible, mais... On va le faire comme ça. Et lui... C'est un centaure, un roturier? Oui, un roturier. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas trop, on va le libérer, non? Peut-être que je vais avoir... Je vais lui mettre un petit hameçon. Ou alors je mets rien et peut-être qu'on va gagner quelque chose. Un peu moins de stress, de l'opinion. Prenons un petit hameçon, ça va pas servir à grand chose, mais... Voilà, maintenant c'est bon. Et on va pouvoir faire respecter nos demandes maintenant. Donc, mes chevaliers vont gagner en gloire. Je deviendrai vassal directement du roi Malcolm III. On gagne en légitimité. On devient reconnu, lui perd plein en légitimité. Ah, on l'a humilié, mais gravement. Il devient carrément illégitime. Que votre vie soit brève et misérable. Oui, mais en attendant, je suis indépendant. Ok, donc maintenant j'ai beaucoup plus de légitimité que lui. Hein. Ok. Adieu, Matad. Rentrez chez vous. On va disperser les hommes. Et voir ce qu'on... Donc lui, il a ça maintenant, hein, seulement. Il est toujours duc malgré tout, mais probablement pas pour très longtemps. On va attendre la fin de la trêve. Je sais pas combien de temps ça dure. On verra bien. En attendant, il va falloir s'occuper autrement. Proposer une tutelle. Je voudrais que votre jeune fille héritière, Elgit, soit éduquée par Oscar Sinclair, un tuteur très compétent. Si ça lui fait plaisir à mon bon roi. De toute façon, ma fille, elle va partir, donc... J'accepte. Elle part à Appleby. Bon. On verra. Hein. Oh, le pape est influencé. C'est bien, ça. Mon brave pape. Je suis si dévot. Donnez-moi un peu d'or. Voilà. Là, on devrait pouvoir maintenant refaire quelques petits investissements. Donc, je vais aller à l'anarque. On a déjà des pâturages de collines. Ferme de collines. 0,5 par mois en avantage défenseur. Ok. Et là, on peut faire, si je veux de l'argent, et je veux de l'argent quand même, des hospices à 0,2, résistance aux épidémies, bon, pourquoi pas, les forts, on peut faire des pâturages en plus encore. Pourquoi pas, c'est peut-être un petit peu redondant par rapport aux autres. Caserne, camp de la milice, les écuries. Forgeron, loge guerrière. Si je veux de l'argent, je dois faire encore les pâturages ou... Ou les hospices. Pourquoi pas, ça rapporte nettement... Non, c'est pareil. Là, ça donne des levées encore en plus, les pâturages. On va faire vraiment une zone de pâturage, là, tiens. Et les pâturages de collines, on va faire les pâturages de pas collines, les autres. Voilà. Cool. Bon, salutations, mon féroce seigneur Lige. Votre fille est bien arrivée en Écosse. Et je m'apprête à commencer les leçons. Très bien. N'oublions pas que ma chère et tendre est enceinte. Faudrait qu'on arrive à déstresser un petit peu par contre.
Je pense qu'on va essayer de faire une activité en ce sens. On pourrait demander audience au Seigneur Lige et lui demander de nous fournir, je crois qu'on peut faire ça, lui demander de nous donner peut-être le comté qu'il nous manque pour devenir duc. Alors, j'obtiens du stress pour le moment, donc je ne vais pas le faire tout de suite, mais on va le faire après. Rendre hommage à votre Seigneur Lige, ça fait quoi? Je préférerais une audience. Ok. Et les activités. Alors pour se déstresser. Un festin peut-être. Ok, tout ça est beaucoup trop cher. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander à notre évêque de fabriquer une revendication sur ce comté-là. Qui n'est pas la capitale de l'autre, à Dunbar. On va essayer d'économiser les, je sais pas, 60, 70, 80 pièces qu'il nous faut une fois. Pour faire les documents, une fois que tout est fait. Puisque vous êtes un Earl influent, dit notre roi, il est juste que vous ayez un siège au conseil. Ah, je propose par la présente le poste de chancelier. Je suis bon en chancellerie c'est intendance, hein. Diplomatie. Diplomatie ou... Ouais, je pense que c'est diplomatie. Ok. Bon, on va accepter, ça fait du pognon. Ça me fait... Allez, ça devrait être peut-être à partir du mois prochain, ça va être indiqué. Dépenses mensuelles, je vois pas. Attendez, on va aller voir, on va aller voir. Où est-ce qu'on voit encore le truc? On sait voir le... Voilà, conseil Lige. La reine, l'archevêque. Moi, oui, c'est bien la diplomatie, je suis faible. Pourquoi il m'a demandé ça? Je vais faire des bêtises. Ah, c'est du prestige que ça donne. Plus 2 par mois quand même. Ah, ça m'intéresse bien. Pour être illustre, c'est bien. Expérience en mode de vie diplomatique, 15%. Bon, bah écoutez, clairement pas inutile. Hein. Je deviens influent dans le royaume. Je commence à être connu. Mon fils est héritier. Ah, un garçon, c'est bien. Edwin. Quoi d'autre? Morcar, Oswin. Hans, c'est catholique. Et là, c'est un ancêtre. Christopher. Joshua. Samuel. Luc. Bartholoméus. Je sais pas, Magnus. Oh, Magnus, bon, avec un peu de chance, ça va juste devenir fort et sage, mon fils. Allez. Allez, mes espoirs sont en lui pour la suite de la lignée, hein. Pas de problème congénital ou quoi que ce soit. A priori, bon, il n'y a pas de problème avec notre couple. Je pense qu'on est tout à fait compatible. Excellent. Bon, ça avance vite, la fabrication de la revendication comtale. Ça avance même très vite. On a une guerre de jure écossaise pour le mormerdom de l'île de Man pour le moment. Ici. Ça fight. Ça combat. Alors, je peux rendre hommage... Formellement et publiquement prêté allégeance à mon seigneur. C'est parce qu'on est devenu directement son vassal, je pense que ça s'est déclenché. Non, mais pour l'instant, je veux pas prendre du stress, c'est pas le moment. Et on peut également demander audience. Ça permet de voir un peu sa cour. Mais pour le moment, je vais pas le faire. Ou un cadeau ou un service, c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce qu'il me propose? Si je fais ça, ça coûte 50. Et j'obtiens du stress. Pourquoi est-ce que j'ai du stress en faisant ça? Bah oui, c'est un peu stressant, effectivement, mais... On va attendre pour ça. Je vais l'enlever. Tout ça, ok. Héritier dans la ligne de succession de titres. Troisième, ok. Bon. Mettre ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on gagne pas encore beaucoup d'argent. Donc on va pas le faire tout de suite. Et on va s'arrêter. Je vais essayer de faire des vidéos plus ou moins d'une demi-heure. Pas trop, pas beaucoup plus longues. Comme ça je peux les enchaîner tranquillement et vous avez un rendez-vous quotidien dessus. Ça me paraît cool. Qui est pas trop long non plus pour vous. On a avancé puisqu'on est devenu indépendant. De toute façon on a fait une belle chasse. On a récupéré des serres, des bois de serres. Prochain objectif, récupérer un comté supplémentaire. Et là on aura le nombre nécessaire
pour devenir duc à la place du duc, qui est de toute façon complètement illégitime maintenant. C'était déjà pas terrible avant, il a 0 sur 5, donc il a plein de malus. Faction de prétendants, il va être obligé, enfin il va être mal de toute façon. Il est mal, tandis que nous, nous on a 2 sur 5, donc on a la place pour être duc. On est légitime pour être duc, je pense. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je vais tous les lire. Je vous souhaite le meilleur, salut tout le monde.